sans commentaire. On va écouter maintenant, si vous voulez bien, on se retrouve tout à l'heure, on va écouter Cécilia, donc c'est le premier 45 tours. Ça s'appelle De soleil et de glace. Voici Cécilia. Vous ne connaissiez pas encore peut-être Cécilia, voilà, qui est fait de soleil et de glace. Et hop, on retourne la pochette et on s'aperçoit, c'est important de regarder les envers des pochettes, qu'il y a une signature ô combien prestigieuse, c'est celle de Moussoumara. Qui dit Moussoumara dit tube jusqu'à présent. Il y a eu quoi? Jeanne Mas, Stéphanie. Jeanne Mas, Stéphanie, Elsa. Elsa, ça fait trois. Et comment s'est passée la rencontre avec lui? Parce qu'on parle souvent de rencontres dans le milieu du show business, mais alors là, c'en est une vraiment importante. Je l'ai rencontré il y a 2 ans, par l'intermédiaire d'Yves Rose. Qui est le producteur de Stéphanie, voilà. Si je ne m'abuse. Et on avait décidé de faire une chanson, mais j'ai voulu. Yves m'a demandé d'apprendre d'abord beaucoup de à chanter choses. Non, d'apprendre un peu la généralité du show business. Donc j'ai commencé à travailler, je me suis occupée de ces artistes.
Ah d'accord. Je suis partie en télévision. Vous avez fait un peu l'autre côté d'abord. Voilà. Ah, c'est drôle. Mais généralement, bon, c'est plutôt flatteur. Si Moussou Mara vous a confié, si j'ose dire, enfin vous a ciselé une chanson, c'est qu'il croit que ça peut fonctionner. Bah, je pense. Hein, j'imagine. Vous allez me demander. Jusqu'à présent, toutes les artistes avec qui il a travaillé ont été au firmament. Oui. Donc, ma foi, on croise les doigts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est les Italiens toujours. Hein. Ils sont très très forts, les Italiens, en ce moment. Comment expliquez-vous qu'il y a toute une équipe d'Italiens comme ça avec lesquels les disques se fassent en ce moment? Ben, parce qu'il y a eu un mouvement il y a un an et demi, même 2 ans. Beaucoup de produits italiens sont arrivés en France et je pense que les Italiens... Mais vous êtes française, vous? Moi, je suis française, mais je suis née en Italie. Ah, quand même, un petit peu. Et je suis restée 12 ans en Italie, donc j'ai 50% de mon cœur qui est resté là-bas. Et puis le disque aussi, fait par Moussou Mara, bien que ça soit chanté quand même en français. Donc après Jeanne-Ma, Stéphanie, Elsa, voici, bien que ça soit forcément différent, les personnalités ne sont pas les mêmes, mais enfin voici une quatrième chanteuse qui travaille avec Moussou Mara. Espérons que ça marchera aussi bien, c'est Cécilia. Merci d'être venue. On va écouter ensemble maintenant les questions qui ont été posées à Maurice Sorg par le Minitel. Donc vous qui nous regardez, vous avez posé. Les voici, elles arrivent. C'est le passage à tabac, ça s'appelle comme ça.